Journée célébrée dans la méditation sur l'ensemble du territoire national, la députée provinciale Sidonie Ejiba Mpungwe à la Lomami a exprimé vivement ses inquiétudes sur la situation des femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, révoltées par la souffrance dans laquelle croupit la femme de Beni. L'élu s'implique pour endiguer rapidement l'insécurité au nord et au sud Kivu ainsi qu'en Ituri. On l'écoute sur ses propos recueillis par Sylvain Fizemoukadi. Nous devons faire des plaidoyers pour que l'on soutienne toutes les femmes qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie à COVID-19 en faisant la promotion modalité de travail flexible et en privilégiant les services de prévention de la violence basé sur les genres. Ici, nous lançons un cri d'alarme au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant donné que nous sensibilisons toutes les femmes à soutenir son opinion, qui est l'union sacrée de la nation, qu'il puisse aussi tenir compte de la représentativité des femmes dans la prise des décisions pour la RD Congo en général. Et nous demandons, nous plaidons auprès du chef de l'État pour qu'il puisse vraiment chercher à pacifier l'est du pays. Pourquoi? Parce que nos camarades femmes, avec leurs enfants, sont en train de mourir nuit et jour.